Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment installer SQLite sur notre ordinateur qui fonctionne sous Windows. Donc on va sur le site de l'éditeur, donc SQLite.org. On va dans Download. Alors ici il y a tous les téléchargements possibles, hein. Donc notamment des binaires qui sont précompilés, donc des exécutables. Donc vous voyez, il y a plein de plateformes, hein. Android, Linux, macOS. Nous, c'est Windows qui nous intéresse, et plus particulièrement donc le paquet donc qui contient l'interface en ligne de commande. Donc je clique dessus. Voilà, il est téléchargé. Je vais dans le dossier de téléchargement. Voilà. Donc, dans ce dossier de téléchargement, j'ai mon archive.zip. Je clique dedans donc pour rentrer dans l'archive. Et là, on a trois programmes. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est SQLite3.exe. Donc là, je le copie et je vais aller placer ce programme donc dans un autre dossier. Donc un dossier que j'ai préparé qui s'appelle C standalone anti/slash SQLite. Et là, je le colle. Voilà, touc. Il est collé. Donc c'est exécutable, donc maintenant il n'est plus dans mon archive, hein. Je fais un double clic dessus pour l'exécuter. Alors Windows, il n'est pas content, c'est un exe, mais comme je sais d'où il vient, je vais dire exécuter quand même. Donc voilà, donc arrivé à ce stade, donc l'interface avec SQLite elle est démarrée. On a un prompt, donc un message d'invite qui est SQLite avec une flèche. On peut commencer à rentrer des commandes. Par exemple, là, je fais point version qui permet d'afficher la version, hein. Donc là, pour moi, c'est la 3.38.2. Si je veux avoir, tiens, je vais regarder pour les propriétés parce que c'est un peu petit. On va augmenter la police, voilà, on va mettre 20. Voilà, c'est un peu plus gros. Les commandes, donc là c'est des commandes SQLite, hein, c'est pas du SQL, hein, donc si je mets, donc ça commence par un point, par exemple point help, j'ai toutes les commandes disponibles, hein, de SQLite, et une de ces commandes c'est point quit pour quitter. Alors on peut aussi se dire, je vais démarrer cet exécutable directement depuis une invite de commande. Alors si je tape directement le nom de l'exe, ça fonctionne pas parce que là je suis pas dans le dossier qui contient l'exécutable. Donc si je veux le démarrer ici, une des manières de faire, c'est de taper donc standalone SQLite. Voilà. Je tape directement le nom de l'exe et ça me démarre l'interface en ligne de commande. Alors si je veux savoir où je suis, hein, je peux faire un point shell, ça me permet d'exécuter des fonctions de mon OS, hein. Donc par exemple si je fais cd pour savoir où je suis, donc là je suis dans le dossier cdemo, c'est pour ça que tout à l'heure ça fonctionnait pas. Alors voilà, on quitte. Alors pour finaliser mon installation, j'ai plusieurs manières. Une manière de faire, ça peut être de placer un raccourci sur le bureau vers cet exécutable, ou alors ça peut être de rajouter, donc pour mon installation à moi, donc rajouter ce chemin-là dans la variable d'environnement pass, hein, de mon ordinateur. Mais c'est une autre histoire. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.